Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on retrouvait du coup la confrérie du mal aux portes de Bordelot. Et il me semble que je devais donner l'assaut puisque j'ai du mouvement visiblement, donc je vois pourquoi je ne le ferais pas. Ah, parce qu'on n'était pas en guerre. Est-ce que j'attendais un truc? J'attendais peut-être qu'il sorte. Il a une grosse armée dans son... Ouais, il y a quand même du monde. Ouais, c'est une cité niveau 4. Bon, après, il a surtout des archers, des écuyers, quand même des écuyers à pied, un paladin. Et puis elle a. C'est Alberic. Le chef de bord de l'eau, il a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Bon, après, il est niveau 7. Niveau 17. Il a des items légendaires. Il les a ces items légendaires? Ah oui, c'est vrai qu'il les a, oui. Trident de Manam, l'amulette d'Opal, la tresse de Bordelot, commandement ennemi moins 10. Ah, ça pique ça. Est-ce qu'on pourrait pas, genre, le blesser? Non, je peux que attaquer l'unité avec lui et avec toi. Bloquer l'armée, non, j'ai pas ce qu'il faut comme héros. Entraver la reconstitution, non. On n'a pas de héros capable de. Capable de tuer, c'est ça de pas prendre d'orc, ils sont trop subtils les gobelins. Mais j'avais foutu la sorcière là, donc j'avais dû tenter de faire un petit vol de techno. Écoute, on va commencer le siège, hein. On va voir au moins un peu ce que ça donne. On n'est pas là pour glander, de toute façon faut qu'on avance parce que faut qu'on aille voir les elfes là. Ça, ça commence à bien faire. Après, t'aurais très bien pu le laisser tranquille. Hein. Non, parce qu'il a la province qui est juste à côté et je veux la sécuriser. Je veux que ce qui est autour de ma capitale soit safe en fait. C'est le but, c'est l'objectif. Parce que pour aller sur l'île des elfes, il va falloir que j'y aille avec au moins deux armées. Donc je garde une armée probablement derrière, un peu plus ou moins pour protéger. Parce que les elfes. Ce qu'ils ont tous comme trait, c'est gardien. Qui dit là, les ennemis ne parviendront pas à établir de pied à terre dans la patrie. Donc en fait, dès qu'on pose un pied, alors poser un pied ça va, le maintenir, et ben ils envoient des armées en boucle, en boucle, en boucle, tout le temps, quoi. En permanence. Du coup, si t'as pas de quoi aligner, recruter des troupes assez vite et tout, bah tu finis par te faire dépasser, quoi. Forcément. Bon bah là déjà on a un bon équilibre des forces, on va pouvoir attendre d'avoir fait un petit bélier, au moins, ça serait pas mal. Peut-être qu'il viendra avec ses renforts mais franchement ça m'inquiète pas trop. Et au prochain tour on aura Rachnik Griffe d'Araignée 2 disponible, on va donc pouvoir passer le tour, on a bien une recette, on a du trophée. De toute façon faut qu'on attaque des cités pour pouvoir faire monter notre jauge de wag. Alors à toi. T'avais ton mec qui recrutait tranquillement, on dirait. Yep. Et t'avais repris lui Jissini, ouais. Et on se posait la question de l'attaque de Sartosa ou pas. Je ne me pose pas la question de l'attaque de Sartosa, tu sais. Ok, t'attaques, très bien. 100% de corruption empirique, rien à foutre, t'y vas. Hop. Hop. Ça passe. La garnison va piquer un peu, mais je pense qu'il y a moyen. T'es qui toi, Sir John Tyrwell, chevalier de Rigo? Ah ok, ouais, c'est la province là. Ok, c'est les mecs qui sont là. Northmen come. Menez la bataille. C'est parti. Effectivement, c'est plutôt la garnison qui a l'air badass. Il n'y a pas de mur. Ouais. Ah ouais. Non, parce que j'ai attaqué l'armée qui est juste à l'extérieur. Comme ça, j'ai pas de mur. Putain, les cons. J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait une armée dehors. Eh oui, malin le rat. Ah là, pour le coup, ouais. C'est la bonne occasion. Hein. L'armée juste à côté de la ville, bon, elle est protégée, sauf que bah du coup, c'est aussi une faille, quoi. Bah oui, parce que du coup. Bon, on va commencer. Je sais pas si t'as le choix de faire sortir ta garnison ou pas, en fait. Quand tu attaques, je sais pas en fait, est-ce que tu peux refuser?
Ah, déjà, tu peux refuser le combat théoriquement, l'armée elle est dehors donc elle peut se replier. Bon, ce qui est très bien, c'est qu'ils vont tous arriver de là. Et l'armée que j'attaque, il n'y a quasiment rien dedans. Donc ouais. Je vais juste m'angler ici. Je vais les attendre et je vais faire alors, on veut passer. Ah bah là oui, tu vas pouvoir leur balancer du Rattling Gun comme un port au fur et à mesure qu'ils arrivent, les engluer à mort. Oui, ça va être intéressant. On va commencer du coup par un petit combat Skaven pour cette partie. Ah tu oui, j'ai aussi investi dans un nouveau petit truc. Oui, je vois le Elebion de Morgenstar là, je sais pas quoi. Ouais, du mignon. Elebion de Morgenstar, c'est une unité légendaire. Ouais. Ah c'est un héros. Ah non, c'est un monstre. C'est un monstre. Vache, rat ogre mutant. Si. Je suis investi, regarde juste. Mais ils sortent d'où? Tu les as achetés en global? Non, ils sont violets, c'est des unités yep. De renom. Yep. Et ça va claquer. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Je comprends mieux pourquoi ils te mettaient une équipe des forces aussi avantageuse. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Mais ouais, du coup, effectivement, ça va piquer un peu. Hop. Ah, et puis il arrive vraiment mal, hein. Là, il va se faire dépouiller le mec. Bon, après, fais gaffe, il risque d'arriver sur une grande ligne. Il va peut-être arriver oui, en face de tes artillerie, mais. Et dès qu'il va arriver, j'ai juste étendre comme ça. Enfin, comme ouais. Ça plutôt. Mais en fait, t'as quasiment que des unités uniques à part des Skaven, des esclaves, quoi. Ouais. C'est la violence. Ouais, j'ai combien d'unités uniques? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ouais, bah ça commence à faire, hein. Moi j'en ai aucune. Si, peut-être une à suite à la WAG, je crois. Allez, qu'est-ce qui leur chope là? Instructeur de tir, plus 10 de portée, et l'union fait la force, ok. Je vais mettre les. Hop. Je vais mettre ça sur les côtés. Il a une breloque d'obscurité magnétique, plus 12 de parade lance-projectile avec bouclier. Là, hop. Bon, bah on va pouvoir voir les machines Skaven en action là. Une bonne vieille embuscade à la Skaven. Hein. Là. Ok, donc t'as fait une ligne, t'envoies par ici. Les tireurs, ils se préparent à tirer. Jusque là, c'est pertinent. Ah, il y a un tourmenteur Morgul, ça peut piquer. Il est niveau combien? On voit pas. Ouais, ça doit être celui de les garnisons, donc il doit être level 1. Ils sont épuisés en plus, qu'est-ce qui branle épuisé là? Bah, je crois qu'ils. Je sais pas. J'en sais rien, mais je crois qu'ils vont s'en prendre une sévère. Tes lance-feu, ils tournent le dos. Ouais, c'est ce que je me disais, il y en a qui virent. C'est pourquoi ils tirent pas sur le Morgul. Parce qu'ils vont laisser les autres. Allez, pas de quartier, hein. On tire sur les potes et tout, c'est pas un souci. C'est à ça que ça sert, hein. Non. Alors moi j'aime beaucoup les de vampires, hein, comme je disais en off, j'aime vraiment beaucoup leur gameplay, leurs unités sont vraiment cool, elles sont dégueu, hein, on s'entend, mais le côté mort-vivant est vraiment cool. Fais gaffe, t'as un cadavre bouffi qui s'approche de tes Zra ogres là. Bon, il chie un peu dans la colle parce qu'il arrive pas à passer, mais s'il explose, ça va faire mal. Hein. En même temps, il fait de la merde. Normalement, il devrait charger avec, et il est coincé dans ses propres unités ce coup. Et c'est pareil, hein, c'est du mort-vivant, donc même si le moral tombe, ils s'enfuient pas, ils vont se battre jusqu'au bout. Voilà, boum. Là, les rogues se sont fait dépouiller. Ça a cédé au centre. Ils sont solides. Ah mais non, mais faut pas déconner, hein, ils ont des très très bonnes unités. Hein. Tes Skaven sont mal anglais à droite pour accueillir l'autre armée là. Il y a juste quelques petits esclaves qui tirent dans un coin. N'hésite pas à mettre pause, hein, si tu veux mettre pause. Alors là c'est la charge arrière. Oh putain, ils sont dépouillés.
Ah, et bah non, il y a Elion et Ikit qui gèrent à eux deux. Les sirènes, faut bien ça pour les buter. Ok, ça y est, les sirènes ont été nettoyées, bien joué. Et à droite, ça se passe pas trop mal finalement. Si niveau tiramis, c'est la teuf. Les petits prométhéens pourrissants qui vont. Tes lance-flammes sont au contact à gauche. Bon, ils sont en effondrement en face, donc ça va. C'était quoi ça? Un sort. Je constate. Bon, après, l'éternel problème hein, des morts-vivants, ils sont hyper lents. Ça, par contre, ça ne change pas. Tout sur la gueule du vampire. Alors ici ça se passe comment? Il y a l'amiral de la flotte avec des pistolets qui est... mais il va commencer, ouais, il va être en effondrement aussi, c'est fini. Après ça c'est les vampires, hein. Enfin les morts vivants, dès que t'as réussi à bien faire baisser le moral du chef, c'est fini quoi. Tous, ils meurent tous tout seuls comme des gros nazes. En fait les quelques endroits où ça a percé c'est parce qu'il y a eu les cadavres bouffés, c'est tout. T'avais quand même 2 ou 3 cadavres bouffés je crois. Ouais, les cadavres bouffés ça pique hein. Ah ouais, quand t'as une mine bien faite. Tu vas attendre que ce soit les Skaven qui le fassent? Ah oui, non, okay, il est en train de s'effondrer vraiment complètement. Oh, propre. Voilà. Bien choué, bien choué. De justesse. Boah. Bah ouais, hein, faut dire que t'as ouais, les unités qui ont un peu pris cher quoi. Les gladiateurs de Malentrain, genre, je me serais attendu à ce qu'ils souffrent plus que ça, remarque. En même temps, je les ai envoyés. Je les ai envoyés face au Morghoul direct. Ouais, ils se sont pris un cadavre bouffi. Un cadavre bouffi. Cela dit, le cadavre bouffi a buté la moitié de la vie du Morghoul aussi, donc bon. Du coup, j'ai même pas regardé Ikit combattre avec sa nouvelle roue. Mais ouais, du coup, ton armée commence à être sacrément qualitative. C'est le but. La bannière en peau de nain, excellent. Ah, il y a un petit bug, DY-TESC. Petit bug de trad. Ah pardon, faut que je clique, excusez-moi. Bien joué, bien joué. Bon bah en plus du coup elle doit être toute vide la garnison là. De toute façon les batailles contre les morts vivants se terminent toujours, il n'y a plus personne sur le champ de bataille. Hein. Et puis qu'ils peuvent pas s'enfuir, ils peuvent que s'effondrer. Et c'est la fin des pirates, bien joué. Par contre, t'as bien rasé la colonie. Hein. En fait, elle paraît rasée, mais en fait, elle ne l'est pas. Ouais, c'est Sartosa occupé. Alors. En plus, c'est cool, ouais, du coup, ouais. Les fortifications sont intactes, vu que t'as attaqué à l'extérieur. Et pourquoi oui je vais attaquer Bordelot hein, parce qu'en fait il a personne d'autre à attaquer que moi vu qu'il a plus ou moins fait une paix avec Mousillon. Si je m'éloigne mes armées c'est sûr qu'il va me tomber dessus. Donc je vais éliminer cette menace pour avoir un tampon autour de ma capitale et être un petit peu plus tranquille. Voilà, tu sais qu'avec la reconstruction que je fais dans 3 tours mon armée est full. Bah de toute façon t'as pas vraiment perdu de troupes donc ouais là ouais. C'est juste une question de pourcentage après. Par contre faut pas que tu sortes parce que là, la corruption vampirique c'est la teuf quoi. Ah ouais. Ça va être drôle mais bon ça va elle va baisser ouais, elle descend que jusqu'à 25% pour l'instant
Il va falloir construire quelques petits bâtiments peut-être. Oui, pas de pression à ce niveau-là. Non. Large. Alors on m'a appris un truc dans les commentaires que j'ignorais. C'est qu'avec les orques, si on bat le chef de faction d'une faction orque, on peut directement la confédérer en fait. A priori. Oui, c'est logique en fait. Ah ouais, c'est logique dans le gameplay, mais j'avais jamais pensé, tu vois. Ouais, c'est vrai que moi. Cette technique. Ouais, c'est vrai, du coup, tu vas partir. Allez, dans les terres du sud, tu vas aller sniper les boss. Bah ouais, là je pensais plus proche, il y a déjà la lune crochue, le problème c'est qu'ils ont qu'une seule province et de toute façon faut affronter leur armée donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, on a terminé ça, on peut prendre quoi? Furtivité, caillou pointu. Les araignées, les loups, les costauds, coût de recrutement moins 10%, bon c'est pas mal. Et après coût de construction moins 10%, on va prendre ça. Le héros, on va pas le recruter tout de suite, hein. C'est pas une priorité pour l'instant. Si on lance l'assaut, ça se passe comment? On a un bélier, ouais, ben c'est bien un bélier. On va pas s'emmerder à faire des tours. On a des gobelins pour porter nos échelles. Allez hop. Voilà, petite attaque frontale de Bretonnie là. Ça va comme le on faire. Les aime. On charge, on rase tout. Simple, efficace. Classique. Je fais pas dans la fouine moi. De toute façon, la porte est au milieu, donc on va au milieu. Il est le trou dans le mur, il est le trou dans le mur, c'est parti. Les viewers ils veulent voir du massacre, on va leur donner du massacre, pas de soucis. J'aime beaucoup les cités de la Bretonnie, hein. Je l'ai déjà dit mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici on a des gobelins au bélier, pourquoi pas. On va mettre des types ici pour charger, on peut pas les mettre en avant-garde. Ah putain, on peut les mettre en avant-garde, parfait. On gagne du coup un petit peu de... Temps comme ça, hop, toi tu vas ici, et toi tu vas ici, et on va charger sur les murs. Les archers, ils vont aller plus ou moins en support. Son objectif c'est plus ou moins de prendre les murs avant même d'avoir cassé la porte. Hein. Pareil, la cavalerie et compagnie va rester derrière pour l'instant. Est-ce que je peux déployer le bélier? Ah non, je peux pas déployer le bélier en avant-garde, c'est dommage ça. Ce serait un peu trop abusé. Ouais, ce serait un peu abusé, je suis d'accord. C'est parti, tac tac, tac tac tac. Je te file les renforts au fur et à mesure qu'ils arrivent. Hop. Hop. On va envoyer Grom devant pour qu'il s'occupe un peu de sa saucisse. Toi, tu peux monter sur des murs, tu peux pas monter sur des murs. Allez, tire dessus. Toi, tu peux te faire Tristan là. Vous faites les archers pécores. Les pécores. Les hommes d'armes. Vous aussi. Tuck. Par contre, va pas falloir bugger. Hein. Vous me posez vos échelles là. Voilà. Parfait. Voilà, je t'ai donné toute l'armée ennemie. Toute l'armée ennemie. L'armée de renfort, excuse, au contraire. L'armée pas ennemie, n'est-ce pas? L'armée des copains. Toc, fonce ici toi. Oula, qu'est-ce qu'on s'est pris là? Un sort? On peut le lancer ça? On peut le lancer, c'est parti. Allez, fais une petite scission de saucisse toi. C'est parti. Ah, le petit vortex sur les mecs derrière, ça fait toujours plaisir.
ici, on est au fight. Toi tu peux pas monter, on a dit, c'est bien dommage. On peut mettre par là du coup. Ici on est au fight. Ici on n'est même pas encore monté, qu'ils sont déjà en fuite les mecs. Merci les archers. Peut-être reste par là pour aider au moral. Là. Allez, le bélier arrive, approchez-vous un peu, vous. Ils se planquent derrière la tour, les petits sagouins là. Toi, t'es où? T'arrives de l'autre côté? Ah, parfait. La porte, 30% de dégâts. Tant qu'on sera pas plus au contact, malheureusement la WAG n'avancera pas. Arrête-toi toi, c'est pas la peine de faire je ne sais quelle connerie. S'il s'enfuit, il s'enfuit, c'est pas grave. Y'a pas de problème avec ça. Pas de soucis avec les objecteurs de confiance. Exactement. De paysans, les portes sont détruites. Bah, les trolls là ils sont bien partis. Allez hop, go. Allez Grom, charge moi tout ça. De toute façon on n'a plus aucune infanterie dehors donc on s'en fout. On y va. On balancera une petite épée du tourmenteur. Oula, j'ai l'impression que ça lag un peu. Non, c'est moi. Non, ça lag un peu. Ouais, c'est juste ce que j'étais en train de me dire. Les archers. Ah, ils ont pas encore réussi à tous monter là. Allez, la WAG, c'est parti. Ici, on fait une petite truc du tourmenteur. Ici on est en galère, mais normalement les renforts devraient arriver. Ou alors ils vont rester devant les murs, je ne sais pas. Je laisse Katox se gérer. Tirez sur ça, vous. Plutôt que partir d'une saison. Allez, en avant. Toi, tu veux pas vomir sur quelqu'un? Tiens, vomis donc sur les chevaliers. Ça leur fera les pieds. Beaucoup de cavalerie, hein, mine de rien. On y va, c'est pas grave, on est là pour ça. Hop là. Ici, est-ce qu'on arrive à faire le taf là? Ouais, petit à petit, hein. C'est pas encore gagné. Toi t'es resté dehors Chicard, je te reconnais bien là. Allez hop, au teuf. Ça suffit les conneries. Les archers gobelins ils serviront pas, mais c'est un siège, c'est pas grave. Tiens, il y a Alderic là. T'as eu lui faire bisou. On va invoquer El Vieux Chico. Ça devrait bien faire plaisir aux cavaliers, je pense. Bam, juste au moment où ils arrivent, le petit vortex,
Parfait. Ça me fait plaisir. La gratuité. Qui c'est qui ne combat pas là? Ça combat, ok, très bien. Une petite épée du tourmenteur histoire de baisser un peu le niveau de tous ces gens. Alderic se fait défoncer. C'est toujours agréable. Je suis pas high là. Ouais, y a toujours un. On en a un du bon côté là, ouais. Toi là, occupez-vous des archers paysans là. Il y a toujours un héros en haut là qui fait chier le monde. Mais bon, il a deux gobelins sur la tronche. Ça devrait passer. Que je vois pour en recruter quand même des idoles sauvages, hein, c'est plutôt cool comme unité. Un peu lent. C'est recrutable? Je pense que c'est pas juste un phare. Ah non, non, je crois que c'est une unité, c'est une des unités d'élite. Je vais vérifier, tiens. Je suis raisonnablement sûr que c'est recrutable. Alors, est-ce qu'on pille? Est-ce qu'il y a des trucs à piller? Je suis sûr que oui, ils sont tous morts de toute façon. Même si la garnison se refait un peu, c'est pas la mort. Par contre, j'ai l'impression que t'as un peu glandé, hein, sur cette bataille. Bah, on a un gin tonic, c'est ça? Même pas, j'aurais bien voulu. Mais, non, sur le temps qui se ramène, c'était fini. On voit que les archers ont un petit peu tiré dans le tas. Ouais, ils ont dégagé ce qu'il y avait à leur portée quoi. Après c'est l'intérêt d'avoir deux armées, c'est d'être en surnombre, mais réellement oui, avec un équilibre moitié-moitié, même en difficile on la gagne normalement. Oui. 25 000 si on met à sac. Bah je propose de mettre à sac. 25 000. Ah ouais. Je pense qu'on peut se permettre. Hein. Ouais, je pense que t'as toutes les raisons du monde. Alors, le marteau et l'enclume a vaincu Alberic de Bordelot, attaque en mêlée, plus 15 en combat en mer. Ouais. Ça peut être utile quand tu vas passer la mer contre les elfes. Ou si tu t'enfuis contre les elfes. Ouais, voilà, si je me fais choper dans la mer, quoi. Pourquoi pas. Alors, on va faire les petits niveaux. Un petit loup géant pour notre grand chaman, pourquoi pas. Allez, on prend le loup géant. Il ira plus vite lancer ses sorts comme ça. Toi, t'as droit à quoi? Voler de la reconnaissance, plus de chances d'avoir des objets magiques, j'aime bien cette idée. Grom! Je reviens, commandant ennemi, moins 7 pour les elfes. Ah bah écoute. J'ai envie de dire, on va aller taper sur des elfes, c'est toujours un petit bonus qui peut être utile. Alors, ah bah oui, toi t'as ton araignée, c'est pour ça que tu peux pas monter sur les murs, faudra que je te l'enlève pour les trucs de siège. Ça pourrait être pas mal. Puissance des armes, rapide. Embusqué, déploiement de l'avant-garde, on l'a déjà, on s'en fout. Résistance aux projectiles plus 10%, ouais. On va prendre ça, un peu plus de vitesse. Et donc derrière, on peut retomber, mais je crois qu'on peut pas la reprendre. Hein. Ah si, on peut l'occuper. Eh ben, occupons-la dans la foulée alors. Voilà. Bon bah du coup, vu qu'on l'a rasé et défoncé, hein, bien sûr, ça, pas de surprise. Ça donne pas de garnison, donc on va le virer. Je crois que je l'ai ailleurs déjà. Comme de toute façon, je vais me tirer d'ici, ouais. On va virer ce bâtiment. Ça sert à rien. Et là, il y a quoi dans cette petite cité d'Aquitaine? Pas de mur, quelques péons. Est-ce que Erwan, t'es au niveau? Alors oui, j'ai rajouté un petit layout, elle a une petite option pour pouvoir voir les noms des unités sur la map, je trouve ça assez sympathique.
Alors, dégâts de feu, on va donner ça à qui? Vous êtes des lanceurs de sorts tous les deux, hein, ouais. Donc on va donner ça à des petits gobelins. Ah, il y a des murs, hein. Ah, il y a des murs, putain, il y a des murs. J'avais pas vu. Bon, bah, tant pis. On va tenir le siège du coup. Ouais, en même temps, c'est leur dernière ville, ils vont pas forcément en sortir. Ouais, et c'est marrant, c'était pas marqué qu'il y avait des murs. Il faut aller voir là et se dire, tiens, ajoute des murs à la colonie, c'est ça? Ou simplement regarder le skin de la colonie. C'est vrai. À quoi elle ressemble. C'est vrai que le skin de la colonie, ça joue, mais oui, ils ont pas de bâtiment qui dit ajoute des murs, donc peut-être que c'est juste de base, les villes bretonniennes ont des murs en fait. Ça irait avec la faction. Ce serait étonnant. Bah, genre à Brionne, il y a des murs, et j'ai effectivement fait le truc avec des murs, et quand je vois la garnison, c'est pas marqué qu'il y a des murs. Si, si tu regardes la ville évolue en 3, c'est ajoute des murs à la colonie. Ah putain, je l'ai lu 3 fois, je l'ai pas vu quoi. Et effectivement, en fait, on voit qu'il y a des murs dans l'interface de la ville, par contre, dans l'interface de garnison, on les voit pas les murs, alors que pour les villes principales, on les voit. C'est pour ça que je me suis fait eu. J'ai regardé la garnison et pas la ville. Mm. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire avec nos 30 000? Alors, déjà, est-ce qu'on peut recruter des idoles sauvages? On va regarder. En speed, il me semble que oui. Hein. Ouais, voilà, là. Idole sauvage. Alors, c'est le seul bâtiment level 5 qu'ils ont. Mais on peut recruter des idoles sauvages. Et j'ai pas fait le bâtiment parce que on se donne des chamans orcs. Des chamans gobelins de la nuit. Et ça apporte une garnison de chamans orcs. Je crois que je l'ai lancé dans un endroit, ça, non? Alors déjà, on va faire toutes les améliorations de colonies qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, ici, on va chercher quoi? Des trolls d'eau, sorcières d'eau, ouais, on prend ça. Là, on va chercher les gobelins sur araignées, et là, on va chercher quoi? Des catapultes à plongeurs de la mort. Alors ça, je sais pas vraiment, en fait, ce que ça, si c'est beaucoup plus mieux que les lance-rocs. Enfin, le fait que les ils s'autodirigent, hein. En fait, ça lance des gobelins avec des petites ailes. Magnifique. C'est très drôle. Et mais... quand tu les diriges, tu peux diriger comment le gobelin il vole. Ouais, tu sais ça, tu peux te mettre en vue à la première personne et le diriger, quoi. Ouais. Mais après, est-ce que tactiquement, ça apporte vraiment quelque chose? Je sais pas, je sais que c'était pendant un temps, c'était craqué. Parce que tu pouvais vraiment sniper le. Tu le faisais en vision interne et tu pouvais sniper les héros. Parfois tu pouvais les one-shot en début de combat. La puissance des tirs 183, c'est un chouïa plus que le lance-roc. Portée de 400, c'est pareil. Munition 22, c'est pareil. Bon, bonus de charge et autres compagnies, on s'en fout un peu. Ça a l'air assez kiff-kiff que le lance-roc. Ils sont 4 aussi. Par contre, ils coûtent 100 de plus d'entretien. Et ils ont des projectiles guidés, quoi. Bah, écoute, on a du blé, hein, on va investir grâce à Bordelot, on va pas s'emmerder. Ici, est-ce que ça vaut le coup? On peut recruter un grand chef gobelin en plus. Ouais, allez, bah, on va développer notre capital comme un porc. Voilà, on a tout claqué le blé. Mais on est content. Bah on va arrêter du coup l'épisode là, vu qu'on a fait deux batailles, c'était un petit peu long. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah du coup on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous. Salut.